Oh bonjour et bienvenue sur Benzaï Live. J'espère que ces 20 minutes de farm inutiles vous auront plu. En tout cas, nous revoici pour regagner un level et faire de la merde. Alors il nous faut 10 000 de plus, ok, ça marche. Ça marche, les 10 000, t'inquiète, je les ai. T'inquiète, je les ai. Voilà, ça c'est combien? Boum, 1800, bon d'accord, c'est de la merde. Bon, et ça? Ça c'est 3000. Ok, c'était épais, attention. C'est quoi que j'ai utilisé? Ça aussi c'est 3000. Vas-y, il nous manque 1500. Oui! Oh oui, attention, c'est gagné. Je pense que tu nous saoules. Par contre, ma vieille, je pense que je vais la tuer, hein. Voilà. Comme ça, il n'y aura plus besoin de se parler, voilà. Voilà. Ce que j'aurais dû faire il y a très longtemps. Ah, Benzaï. Eh ben allez. C'est pas tout, mais on a un boss qui nous attend, qui va nous casser la gueule. Ah, le speedrun de la GDQ était très impressionnant. Ça change quelque chose au scénario. Non mais pour changer le scénario, il faut qu'il réquille un scénario. Voilà. Et donc le but de cette session de Bloodborne qui s'annonce tout à fait passionnante, bien entendu, c'est de tryhard le boss. Et à force de mourir, à chaque fois qu'on meurt, on retue des easy jusqu'à ce qu'on, pour gagner un level et on réessaye le boss avec plus de level. Là, on a à peu près 3 ou 4 levels de plus que le dernier essai. Est-ce qu'on va se faire défoncer le cul comme la dernière fois? Oui. Mais on va essayer. Pouf, voilà. J'appelle, voilà, sauce. Petite balle. Pff, allez, mais je suis chaud, mec. Alors le truc c'est que... Ah mais c'est ça, c'est que en fait tu peux passer directement dès le premier truc. Ou alors tu passes devant Papy Mojo là. Ah bah là on est bien. Et tu te laisses tomber. Oh putain. Ça promet tellement. Ah j'ai ressauté dans le seau. Attends, quand je cours et que je tape, il y a peut-être moyen que ça soit mieux. Des coups rapides sur les boss, un par un, ça passe nickel. Merci le zizi de Philippe. Aïe, c'est pas passé nickel là par contre de regarder ailleurs. Ça m'apprendra. Voilà, nique les tournesols. T'occupe pas de moi, mon gars. Bah, le premier, ça va. Ah, et putain, mais j'ai l'impression que je leur faisais plus mal à... Bon, mais je... Ah, mais ça annule. Ah, mais c'est parce qu'il est mort.
Ils sont très laids. Celui-ci tire des boules magiques. Mais il y a moyen. Oh ! Ah putain, mais j'ai aucune défense. Non, un chien. Oh ! Mais non ! Lui, il fait des pouvoirs, c'est ça ? Bon, vous avez raison, les tirs rapides, on va faire du rapide, hein. Et je cours. Ah, d'ailleurs, je vais arrêter de reprendre Balavoine parce que c'est les 30 ans de la mort de Balavoine et j'ai vu que beaucoup d'artistes ne se sont pas gênés pour faire des reprises totalement dégueulasses et demander un cachet alors que l'album est sorti normalement pour financer en partie l'association Daniel Balavoine qui apporte de l'eau potable dans les pays du Mali. Bref, un truc cool. Mais en fait, les artistes, en plus de chanter les chansons qui sont pas à eux, et les chanter très très mal, sur des instrus totalement nuls à chier, ont demandé un cachet pour le faire, et qu'en fait, c'est que 1 euro et pas tous les bénéfices qui reviennent à l'association Daniel Balavoine. Donc, en fait, vous achetez, vous payez, mais en fait, juste pour un coup de pub, et foutre la carrière de Zao, par exemple, sous transfusion, alors que Zao, tout le monde s'en bat les couilles. Zao elle remplit plus des stalles de spectacle depuis 50 ans. Vous savez, Zao, c'est chelou. Donc non, c'est de l'arnaque. C'est comme Johnny Hallyday pour Charlie Hebdo. En fait, vous croyez que vous allumez la télé pour voir un truc genre un hommage et tout contre le terrorisme. Oh putain, c'est la Max. Genre ouais, on n'a pas peur, c'est Charlie, c'est machin. Alors on m'a dit d'aller là-bas. Eh, ça marche bien. Ouh. Oh mais non. Oh putain, mais non. Lui, il file fou. Non. Oh non. Mais non. Oh. Il aura fallu qu'un mec me signe. Ah, c'est tellement dommage. Bon, bah, c'est la 50e mort. C'est la 50e mort. Qu'est-ce que vous voulez? La marmelade. Eh bien, allez, c'est parti pour la farmelade. Attendez, on a une musique sur la chaîne, dispo sur la chaîne The Power of Orchestra. On écoute ça. Dites si vous reconnaissez. Je l'ai pas écouté encore. Avec les cris d'enfant, c'est très bien.
T'es pas à l'aise. Merci, Mordok. On va vendre une paire de chaussettes. Mais on n'a pas tant de trucs super cool que ça à vendre. Ah putain, c'est vrai que j'ai ce truc qu'envoie un météore. Le truc, c'est que moi je revends pas mes vêtements. Sauf ceux que j'ai en double, mais j'en ai pas en double, j'en ai plus en double. Oh, la tête géante vaut 10 quoi. Quelle arnaque. Merci Nonosake. C'est très gentil. Tiens, j'ai reçu un message de Tsukiki. En plein stream. Saloperie, bah écoute, je vais devoir te bannir. Malheureusement. Oh mais merde, je me suis donné 15 000 d'un coup là, quel con. Ah putain, et elle ressuscite. Oh là là, on peut même plus gagner de temps. Oh, nul à chier. Alors là, on me dit, si tu augmentes ta compétence, ça va augmenter tes dégâts. Ça va augmenter ton attaque. Ce qui est un peu vrai. Bon, bah faisons ça. Faisons ça, comme ça on arrêtera de me dire genre « Mais Benzeit, t'augmentes pas la compétence, ça sert à rien après d'augmenter la force !» Alors que moi, ma hache, je ne vois qu'un bonus de force. Donc j'attends... la Simoulin, elle est A en bonus de force. Et la hache, elle est B en bonus de force. Donc j'attends maintenant que quelqu'un dans le chat me dise « Mais non, mais en fait c'est des conneries tout ce que les gens t'ont dit depuis 50 épisodes. » C'est le jeu. C'est le jeu, mais on a gagné un level, donc de la défense physique. Donc en soi, j'ai pas besoin d'une grosse défense ésotérique, on va surtout se mettre en défense physique, hein, si vous voulez bien. Avec le chapeau de Kindhurst. Voilà, le set de Kindhurst, hein, bien sûr, le plus pété. Mais cette musique fait le café, hein. Ah mais c'est parce que c'est pas la même. Eh ben oui. Allez. Donc, la marmelade de ma grand-mère, elle est faite par GTK et MAF, c'est-à-dire Florent Cobien. Dont on peut trouver facilement le SoundCloud, voilà. Florent Cobien alias GTK, et donc il a créé la marmelade. C'est la marmelade de ma grand-mère, c'est la marmelade de ma grand-mère. Que je mets en repeat. À l'infini, mon gars. Ce soir sous les ponts, dansant la marmelade ce soir, mon garçon. C'est la marmelade de ma grand-mère. Oh putain, alors là je commence à le sentir quoi. Je sens que ça vient, les mecs. Alors, c'est juste que j'ai envie de pisser. J'ai un peu envie de pisser. Ok. Oh mais j'ai des vrais combos en fait. Baisse le son, c'est très fort. De toute façon je fais rien. Ah pipi.
Bon, fou. Non, parce que c'est stressant quand même. Alors encore une fois, je passe par là où on n'est pas obligé de passer, c'est pas grave. En tout cas, le beat est bon. Oh là là, capitaine anticlimax. 51ème mort, et voilà, on arrête le gage. Voilà, bon bah comme ça c'est un petit peu off d'ailleurs ce que j'ai fait aux toilettes, hein. Je me suis précipité de la même façon et tout s'est cassé la gueule. Allez, essayons d'être plus lucides. Merci Aaron. C'est très gentil. Allez, soigne-toi dans le vent aussi. Je ne sais pas pourquoi ce live serait agréable en tout cas. Hein, parce que là pour l'instant, c'était pas vraiment du grand spectacle. Alors attendez, le mec il a créé la version dub de la marmelade. Donc là, attention, c'est de l'inédit. Florent Cobien alias GTK. Je monte le son. Là, c'est pas une version dubstep faite sur un site automatique, hein. C'est le vrai auteur de la marmelade. Hein. Allez, ça va être notre hip, notre in. Au lieu de rager sur Zao, on écoute la marmelade et on fait le café. Ah mais je me fais trop taper. Je fais vraiment pas gaffe à la vie quoi. Non mais voilà, c'est deux coups, poids pas plus. Ah oui, l'autre. On voit une pluie de météores. Et tape son zizi qui lui sert de tête par terre. Oh, attention, le gros. Voilà, il fallait pas faire ça. Benjamin. Ah, les petites pépites, voilà, les pépites de chocolat arrivent, voilà. Oui, c'est géant, oh là là. Oh, là-bas. Meha, meha. J'ai l'impression que c'est ça qui fait le plus le café. Hein. Mais en soi, putain, il suffit de ratisser un peu large et ils prennent des coups. Hein. Ah, c'est pour moi là, on m'appelle. Voilà. Les petits météores arrivent. Voilà. Ok, le gros. Ah, il est mort. Ok, on est bientôt à 50% là. En fait, faut les laisser taper, puis se casser, parce qu'après, voilà, il donne un coup de zizi tête par terre. Ok. Ah, mais il est mort. Il s'est évanoui. Oh, la range de ouf. Non. Petit météore. Voilà, alors là par contre, ah si je l'ai touché. Mais ce qui est bien c'est qu'ils ont une box de merde, mais aussi ils ont... Voilà, quand ils tapent ça fait de la merde. Oh.
Redonne-moi un peu de vie. Oh non, putain, il va me la prendre. Oh, mais c'est ça le piège en fait. C'est que tu veux les retaper parce qu'ils sont faciles, ils sont faciles d'accès. Et tu te dis, bah vas-y, ça passe. Mais en fait, ils sont chiants comme tout. Voilà, et là je barre et je tape un autre. Voilà, et là je me barre. Je grappille. L'autre m'envoie un mais. Ah, mais ah! Je sais pas si vous rendez compte à quel point je dois rester lucide là-dessus. Parce que c'est un boss qui est simple, mais en même temps qui est vraiment relou. Parce qu'il faut être. Je ne testerai pas la technique de rester près de l'arbre. Oh non, mais non, le mec il vient! Et le mec il a fait quoi? Il a cru quoi? Remarque, c'est pas mal. Parce que si le gars il vient pour faire le show. Oh putain, non, 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 c'est de la merde, on annule tout! Mais je sais pas si tu veux taper ou si tu veux pas taper. Non. Oh non, 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 putain, j'ai pas vu venir le troisième coup, mais bordel, je suis aveugle. Mais ha, mais ha. Mais vous voulez quoi? Putain, vous êtes laid. Non, je me casse. Je fais trop le fou. Je me soigne. S'il y a un mec qui veut faire le fou, il vient. Ah ben voilà, toi. Le mec a niqué Beubla. Oh mais non, putain, le mec est en proie facile et je me fais niquer. Donc toi tu m'énerves. Depuis très longtemps. Putain, mais ils sont synchro en plus quoi. Ah non, 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 non. Il danse un peu le sympa de Gotenner. Oh là là, on sait pas d'où ça sortait cette range de ouf là. Là j'ai plus le temps, là il faut que je me mette près de l'arbre. Oh non! Salaud! Oh putain! Putain, mais ils ont plus de vie en plus quoi. Vous allez me faire chier longtemps. Viens là toi, Krilin. Oh non, le coup de zizi. Non, oh non, les météorites. Non, non, les météorites de Pégase, non. Merde. Il me court après. Non. Ouais. Oh merde, putain, j'ai failli mourir. Quoi? Mais qu'est-ce qui... Pourquoi j'ai pas mérité ça?
marmelade ce soir, mon garçon. C'est la marmelade de ma grand-mère. C'est la marmelade de ma grand-mère. Dansons la marmelade ce soir sous les ponts. Oh putain, c'est pas la marmelade ce soir, mon garçon. Wow, merci le joli gland.